Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog. Il est 10h à nouveau. Et je vais petit déjeuner un petit peu et voilà. Bon, moi je vais manger un bol de lait avec des céréales, mais je voulais vous montrer ça. Je me suis fait une petite tartine de pâte à tartiner pour la gourmandise. C'est du Nutella fait maison par ma maman. On n'a plus du tout de Nutella à la maison. C'est que de la pâte à tartiner maison. Ça n'a pas exactement le même goût que le Nutella, bien sûr, mais c'est super bon. Donc voilà, pâte à tartiner maison maintenant. Fini l'huile de palme et tout ce qui s'ensuit. Et c'est très bon, voilà. Bon, j'ai le lave-vaisselle à débarrasser. C'est pas trop chouette ça. J'aime pas ça moi. Mais bon, faut le faire hein. Je sais pas si vous avez suivi le dernier vlog, mais je vous en ai parlé. Aujourd'hui je trie mon armoire, donc on va trier mon dressing ensemble. J'ai honte de vous le montrer, vraiment j'ai honte parce que c'est le bazar. Faut que je vide toute mon armoire. Pour tout vous avouer, avant était tout rangé sur mon lit. Enfin, rangé, plus ou moins. Et ma maman en a eu marre, du coup elle a tout fourré dans l'armoire comme ça. Mais du coup je retrouve plus aucun vêtement. Donc faut vraiment que je range là. Voilà, il y en a partout, partout. C'est tout mélangé. Des jolies robes, des maillots de bain, des soutifs, des chaussettes. C'est le bazar complet. Donc là, ouais. Il faut tout ranger quoi. Il y a du boulot. Avant d'attaquer ce chantier, je vais me préparer. J'hésite à me laver les cheveux. Ils sont un peu gras, mais bon. Je pense que je vais juste les attacher. Je vais me préparer, ranger le lave-vaisselle. Et suivant l'heure, je préparerai à manger. Parce que mon copain vient manger ce midi, puisqu'il a 2 heures de pause. Et ça nous permet de manger ensemble. Et puis on en profite, vu que je suis encore sur Besançon. Voilà, soit je ferai à manger, soit je commencerai ce chantier. Ou sinon, j'attendrai l'après-midi pour entamer tout ça. Mais ça va être un sacré boulot. Parce qu'il y a du bazar. D'ailleurs, je viens de voir cette robe. Est magnifique. Je l'ai achetée pour l'anniversaire de mon copain l'année dernière. Elle est trop belle. Je l'ai achetée en plus pas mal chère. Mais je n'arrive pas à la porter dans la vie de tous les jours quoi. Je sais pas pourquoi. J'attends toujours une occasion pour la mettre. Mais du coup j'ai pas d'occasion pour la mettre. Donc je l'ai mis qu'une ou deux fois. Et c'est trop dommage parce qu'elle est trop belle cette robe. Et j'ai beaucoup de robes comme ça que j'ai acheté une petite somme quoi. Et que j'ai mis qu'une fois ou deux. Parce que voilà, je les ai achetées pour des occasions. Il y a celle-ci aussi. Oh là là. C'est le bazar ici. Il y a celle-ci aussi qui est trop belle, que j'ai achetée pour un mariage, que je trouve encore magnifique. Donc je sais pas si je vais la vendre, mais je l'ai mis qu'une fois en fait, parce que les mariages c'est pas toutes les semaines. Mais je l'aime trop, je l'aime trop cette robe, elle tombe super bien. La coupe de cette robe c'est une de mes coupes préférées. J'adore quand c'est coupé au-dessus de la poitrine et que ça tombe tout droit. C'est magnifique et celle-ci elle est trop belle. Mais pareil, je l'ai achetée une petite blinde et puis je la rentabilise pas du tout. Enfin bref, il y a celle-ci aussi, une jolie robe rouge que je mets jamais. Bref, j'ai un tas de vêtements. Oh, celle-ci c'est encore pire. Cette robe, je l'ai achetée, je l'ai mise, j'ai fait une photo, je l'ai enlevée, je ne l'ai jamais portée pour sortir. Donc elle est presque neuve quoi. Enfin, je l'ai jamais portée pour sortir quoi. J'ai juste portée pour faire une photo. Voilà. Bref, j'ai honte. J'ai honte. Mais j'ai tellement de vêtements comme ça qui pourrissent dans mon armoire que là, il est temps de faire un tri, de vendre ce qu'il y a à vendre, de donner ce qu'il y a à donner. Il est temps. C'est l'heure, c'est le moment, c'est leur jour. Et il faut que j'évite tout ça, quoi, parce que c'est plus possible. Même au niveau des vestes. Oh là là. Il y a trop de choses, trop. Bref, j'arrête de blabater, je vais me préparer. Parce que sinon, on est encore là demain. Bon, puisque je vais me préparer, je me suis dit que j'allais filmer un IGTV sur ma routine pour l'acné. Parce que voilà, vu que je vais le faire là, je me suis dit autant filmer un petit IGTV. Donc voilà, on va faire ça. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Bon, voilà, j'ai tout filmé, la routine peau, les close-up et tout, donc ça c'est cool. Il manquera juste du coup la partie où je mets mon masque, parce que voilà, dans ma routine peau, je fais un masque par semaine de la gamme Clinance, mais je pense que je le ferai demain, du coup je filmerai demain cette partie-là. Là j'ai fait juste du coup ma routine du coup quotidienne avec les produits. Là je vais m'habiller, m'attacher les cheveux et puis je vais commencer du coup le rangement. Bon, je suis habillée n'importe comment, genre j'ai un vieux t-shirt tout froissé, mais je m'en fous, de toute façon je reste chez moi et puis je trouve rien à mettre parce que c'est le bazar. Là je suis en train de chercher des bassines, je vais en ramener 3.
Il y a une musique qui se met. Démonétisation, allez, on s'arrête. J'emmène les trois bassines. Hop là. En gros, il y aura une bassine pour vendre sur Vinted, une bassine pour vendre en brocante et une bassine qui déshabille à donner. Et je vais commencer le tri, hein. Déjà bien avancé, là c'est pour Vinted, c'est des vêtements très peu portés, comme ça, ça a été presque, je pense que ça a été jamais porté, ça a été jamais porté, la plupart des choses là n'ont jamais été portées ou une fois ou deux maxi, ça c'est des vêtements qui ont déjà été portés plusieurs fois ou alors que la matière est bof ou quelque chose comme ça, du coup ça sera sûrement pour la brocante, enfin on va voir avec ma maman si on donne ou la brocante, et là c'est vraiment des plus vieux vêtements, ça c'est sûr qu'on donne parce que voilà, c'est des vêtements que j'avais il y a longtemps, par exemple celui-ci je l'avais quand j'étais plus petite, jour de pluie, je l'aimais trop ce t-shirt qui avait des paillettes. Enfin voilà, ça c'est vraiment des vieux vêtements qu'on va donner, des jeans qui ont bien servi, celui-ci pareil, il a bien servi aussi, enfin voilà, ça c'est vraiment ce qu'on donne. La grosse pile c'est ce que je garde et du coup j'ai plus de place donc je vais nettoyer là parce que on met du produit anti-mite, du coup ça fait des trucs partout, donc je vais tout aspirer et je vais commencer à ranger les deux cases ici avec les habits que je garde. Là c'est tous des vieux leggings que ma mamie m'a donné mais que j'utilise en pyjama. Là c'est tout ce qui est sport, là c'est maillot de bain et là il y a un soutien-gorge et ça c'est un truc... Je vous montre, c'est un souvenir. Je l'avais eu à une tombola. C'est un t-shirt Coca-Cola avec des scratchs. Je l'ai eu à 6 ans, voilà. Et du coup, bah, c'est un souvenir que je garde. Commencé à plier tout ce que je garde du coup, mais là je vais aller faire à manger. Mon copain va pas tarder à terminer les cours et du coup il a 2 heures de pause, mais pour gagner du temps je vais faire à manger avant qu'il arrive pour qu'on mange directement. J'ai des légumes à manger, j'ai des brocolis et des choux-fleurs à manger. Et lui, il va manger comme d'habitude son petit repas, steak, pâtes. Et là, je vais lui faire une sauce tomate avec des tomates et du fromage. Voilà quoi, quelque chose de très simple pour monsieur. Voilà le repas de mon copain, il va se régaler, il vient de m'envoyer un message, j'ai trop faim. Du coup là je pense que ça va être très bon. Du coup c'est de la sauce tomate plus ou moins maison puisque j'ai ajouté des tomates mais c'est quand même à base de concentré de tomate etc. Donc j'espère que ça va lui plaire. Il est parti. Moi ça me fait trop du bien de passer un petit peu de temps avec lui. Et lui ça lui coupe vraiment sa journée puisqu'il peut manger un bon petit repas, se faire une petite sieste et de repartir après. Donc c'est trop cool. Mais du coup moi j'ai pas réussi à faire la sieste avec lui. Il est 13h24, je vais ranger la table, le repas de ce midi. Et puis je vais me remettre à mon chantier du haut quoi. Ranger tous les vêtements et tout. Et après j'aimerais bien faire une petite sieste. Parce que j'ai mal dormi cette nuit et je suis fatiguée. Pas forcément une sieste mais me poser dans le lit quoi et puis ne rien faire un petit coup parce que c'est vrai que pendant les vacances j'enchaîne pas mal, ça me plaît de ouf mais là je sens que j'ai un petit peu besoin de... Mon abri
l'appareil photo avec plus de batterie. Je l'ai mis à charger. En attendant, j'ai bien avancé dans le tri de mes vêtements et j'avais mis à faire tourner le petit aspirateur électrique. Donc il a tout nettoyé. Voilà, c'est tout propre du coup. Voilà, j'ai rangé la cuisine, tout est nickel. Je suis juste descendue du coup redescendre les chaises que j'avais surélevées pour qu'ils puissent passer sous la table et les chaussures. Et là, je vais continuer du coup ma petite activité de tri. Il y a beaucoup de vêtements à donner et à vendre. Là, vous vous rendez compte, il y a 3 caisses déjà. Ça, c'est les vêtements qui sont à laver, soit parce qu'ils sont froissés, du coup, je vais les relaver et puis les repasser, soit parce que je les ai déjà portés. Là, c'est les piles qui sont faites. J'ai déjà rangé les pantalons, pull et t-shirt manche longue, t-shirt manche courte. Là, faut que je repasse un peu d'aspi. Et là, c'est ce qui me reste à trier. Et ensuite, tout ça. Là, c'est tout ce qui est pyjama, sport, maillot de bain et là, sous-vêtements. J'ai tout rangé, les pyjamas, les robes et tous les vêtements. Oh. Et là, c'est tout ce qu'il y a à vendre ou à donner ou à recycler. Enfin bref. Bon, je fais une petite pause là. Je n'en peux plus. Je prends un petit goûter. C'est les petits gâteaux que j'avais achetés à Paris et que j'en ai mangé 3. Du coup, il me reste plein. Petit goûter et après, je reprendrai parce que j'ai cru avoir fini. Mais en fait, là, j'ai une grosse chaise avec plein de vêtements. Bah, faut que je trie, faut que je vois ce que j'en fais, ce que je garde, ce qui doit être lavé et tout. Donc, j'ai encore tout ça. Je suis épuisée, mais j'ai terminé. J'ai fait la chambre où je dors actuellement et mon ancienne chambre tout rangé. Donc ça, je vous ai déjà montré, mais voilà, tout est bien rangé. Ça, c'est les choses que je dois vendre sur Vinted. Ça, je suis pas encore trop sûre. Il y a 2-3 vêtements là qui ont déjà été un peu portés. Du coup, je sais pas si je prends le temps de les mettre sur Vinted. Mais sinon, la plupart des vêtements, c'est des vêtements qui ont jamais été portés. Il y en a qui ont encore l'étiquette. Donc voilà, j'ai quelques chaussures aussi à vendre. Là, c'est des trucs trop vieux pour vendre, donc on va voir ce qu'on en fait. Et là, c'est ce qu'on va vendre en brocante ou en gros lot, je sais pas. Je vais commencer à m'attaquer aux photos des plus belles choses que je vais commencer à mettre en ligne. Et puis, puis voilà. J'ai déjà pris en photo pas mal de vêtements. J'ai pris tout ce tas là. Il me reste encore pas mal de vêtements encore à prendre, mais je ferai plus tard parce que là je suis épuisée. Donc voilà, je vais voir les photos si elles sont bien et tout. Et je vais commencer à mettre ça sur Vinted. Et voilà, c'est long hein. Lily est bien rentrée de l'école au fait. Et le week-end dernier, on est allé à une fête foraine. Elle a fait de la pêche au canard et elle a eu un petit cadeau. C'est une licorne dans un œuf. Du coup, on va découvrir ça. Voilà. T'as hâte de découvrir ta licorne? Ouais. Tu crois qu'elle sera rose la licorne? Je sais pas. Voilà la licorne. Il y a marqué quoi là, Lou? Growing pets. Mais il y avait que des... Ouais, j'ai que des dinosaures. Ça c'était une grosse boîte de petits animaux qui grandissent. Regarde, il t'en reste tout ça. Ouais, mais j'avais encore tout ça. Parce qu'après j'en ai fait plein. Et après ça donnait les petits dinosaures. Et ça faisait des petits dinosaures comme ça. Ou comme ça. J'en avais des roses et tout. Il est 21h, j'ai commencé à mettre les articles sur Vinted et j'ai mangé, c'était des pommes de terre avec du pâtisson, des lardons. Ça, c'était super bon, mais j'ai oublié de vous filmer. Je suis en train de mettre tout sur Vinted. J'essaie de faire des prix petits, mais tout en restant raisonnable. Parce qu'il y a beaucoup de choses jamais portées avec étiquette ou portées qu'une seule fois. Mais normalement, c'est pas trop cher, du coup, je vous laisserai aller voir. Mon pseudo, c'est Loutifoul. Il est assez tard, il est 23h, j'ai mis pas mal de produits sur Vinted, enfin une vingtaine. Il me reste encore beaucoup, surtout que j'ai pas tout pris en photo. Mais je commence déjà à avoir des ventes, il y en a eu 3. Du coup, je vais vous partager sur Instagram. Je voulais partager une fois que j'avais tout mis, mais ça m'embête qu'il y ait déjà des ventes et que vous profitiez pas de tous les produits, quoi. Du coup, je vais vous partager sur Instagram. Donc, c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Insta. Voilà un petit peu les produits qu'il y a. Il y a de tout vraiment. Mais comme je vous ai dit, il reste encore beaucoup de choses à mettre dessus. Et mon profil, c'est Loutifoul, tout simplement.
Donc là, je vais vous prévenir sur Insta. Ensuite, on va lire une petite histoire avec Livy. Voilà. Et le matin avec son petit livre. Et on va dormir parce qu'il est déjà assez tard. Même si c'est vendredi soir, faut quand même roupiller un moment. Hein. Mais en tout cas, c'est le livre. Il n'y a pas tenu le choc. En même temps, celui-là, il date. Hein. Il date de quand j'étais petite, donc ça fait un petit moment quand même. J'ai quel âge ? 21. J'ai quel âge ? 21 ans, non ? 20 ans, d'accord. Je suis née en quelle année ? D'accord, bon. Toujours plaisant d'avoir une sœur. Lu la petite histoire, maintenant il est le temps de dormir. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir la caméra.